même espace, les auteurs russes, traduits en France, ou qui, on trouve, peuvent intéresser les Français, les lecteurs français, les éditeurs qui peuvent s'intéresser de trouver ces auteurs futurs, les auteurs français, donc le livre, les livres, l'œuvre est inspirée par la Russie, et les auteurs français apprécient, aimés en Russie. Donc, les traducteurs, les interprètes, les écrivains, les éditeurs de deux pays. Voilà. C'était ça notre idée. Et en fait, notre but est présenter les auteurs russes contemporains, la littérature, pourquoi on a donné comme titre au salon le renouveau de la littérature. Parce que pendant 20 ans de tumultitude, de perturbation, il avait le sujet parfois très aigu, très fort, mais qui était exigé, imposé par le temps, par les doutes, et ce n'était pas toujours la littérature. C'était la réponse, la recherche, la mode, les pauvres gens. Et maintenant, la littérature russe, à nouveau, se trouvait dans son univers de création littéraire. Comme c'est traditionnel pour la littérature russe, les sujets, l'âme, l'esprit, l'être, un être est au centre de réflexion, au centre de la recherche de catharsis. Donc la littérature, quand c'est l'écriture qui intéresse les auteurs, quand c'est le sujet comme un roman, comme un récit, et pas du tout parce que c'est fort comme sujet, je ne veux pas partir dans cette direction-là. Et donc, notre ambition, c'est présenter cette littérature russe contemporaine qui mérite d'être présentée en France, qui reste dans le monde culturel, qui a la place toujours, il était réplaçable, très particulière, et avec tout son amour et l'intérêt à la littérature russe, même contemporaine, et donc pour que les nouveaux auteurs, à nouveau, la littérature russe, retrouve sa place qui était historiquement toujours à elle. Donc, la place très particulière. Et encore une fois, la littérature russe d'aujourd'hui, il mérite retrouver sa place. Et les Français méritent l'avoir avec ces yeux-là. Ils méritent d'avoir cette lecture magnifique.